Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec des bras de poupée. Ben voilà, nous sommes sortis de notre maison de Couchsurfer à Détroit. Maison somme toute sympathique. Tout à fait, Gaston. Allez Fred, explique-nous qu'est-ce que... Non, je sais pas faire la petite voix. On était vraiment dans une maison marrante, assez atypique, avec des murs qui se décollaient. On peut le dire. On peut dire des murs délabrés. Voilà, une douche vraiment délabrée. Underground. Situé au milieu de nulle part, dans la banlieue de Détroit. Vous pouvez le voir derrière nous, il y a strictement rien en fait. Il y a... Voilà, c'est ça en fait. Il y a un panneau, voilà, c'est bien. Et là, donc, on était censé prendre un covoiturage jusqu'à Albuquerque pour 125$. Donc déjà, on a négocié parce qu'il voulait nous faire payer plus. Et en fait, le mec hier soir nous a dit « Ouais, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Je viens à 20h chez vous, etc. » Donc on lui fait « Bah ouais, vas-y, viens. » À 20h, il nous fait « Ouais, j'ai encore un petit peu de problème, je viendrai à 22h. » On lui fait « Ok. » 22h, il nous fait « Ouais, ça va être chaud, on voulait pas couture qu'on se voit demain. » On lui fait « Ok. » Et à minuit, il nous fait « J'arrive tout de suite. » On fait « Ok. » Ok, mec, on ça fait chier, là. On a vraiment fait beaucoup « Ok », je trouve. Du coup, on l'a rencontré vers minuit 20, devant chez les Couchsurfer en plus, donc c'était assez gênant. Et au final, le mec voulait prendre des photos de nos passeports et tout, voulait qu'on le paye à l'avance et tout. Donc on l'a pas pris. Bah, au début, on était d'accord, puis en fait, ce matin, on s'est rendu compte que... Ce matin, on s'est dit que c'était galère, voilà. Parce que là, si on partait direct à Albuquerque, on n'allait pas à Chicago. Et on avait un type à Chicago qui avait l'air super sympa. Qui voulait nous emmener sur la route 66 dans sa Chevrolet 1957. Ça a peut-être un peu joué sur la décision finale. C'est vrai. Je suis pas envieux. Je vais vous dire la vérité, moi, votre religion ne m'intéresse pas. Et votre bulletin de vote ne m'intéresse pas. Donc, je crois que tout est dit là. Je voulais vivre ma vie, quoi. Je voulais m'en aller, je voulais être d'autre que moi. Je crois que c'est d'autre que moi. On sort de la deuxième plus grande librairie, mais c'est pas du monde, genre. Bah, c'est marqué. Enfin, mes couilles sont au front, ça fait un dardon, genre. C'était assez énorme. Il y avait des livres sur tout, littéralement. Allant de l'univers au sexe, en passant par la psychologie. Il y a 4 étages, vraiment. Ouais, right, you know, it was like amazing, amazing, you know. Ouais, stuff, voilà, c'était ça. Amazing stuff, you know, like, yeah. Tabarnak, ma forêt dans la table. En plus, c'est marqué, it's nice to be nice, try it. Là, c'était cool. On est encore à Détroit, on a notre bus d'ici 2 petites heures. Là, il est parti à la pharmacie acheter un baume à lèvres. Je suis désolé de l'annoncer, hein, mais Quentin achète des baumes à lèvres. Voilà. Je voulais vous remercier de tous les commentaires que vous m'avez laissés sur la première vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et voilà. Tiens-toi bien. Le vieil Andalou, il savait quand même parler, quoi. Il voulait que je sois quelque chose de sérieux. Et là, j'ai 12 ans et on monte les précieuses molécules. Et je découvre la loge des femmes, les odeurs, le bruit des robes. Et tout ça, c'est moi. Et tout est permis. Tout ce que tu fais, en plus, plaît. Nettoyeur.